Bye. Bonjour pour ce nouveau Michel Midi consacré au lobby pro-Israël. Je vais vous demander aujourd'hui de ne pas liker. Il y a beaucoup plus important à faire. Je crois que c'est très important. Je vais vous appeler à lire l'article que je viens de rédiger, un article de fond sur antisémitisme. Pourquoi y a-t-il deux définitions et dans cet article, j'analyse en fait euh, plusieurs thèmes. L'article, vous pouvez le trouver sur le site Investi Action. Antisémitisme. Pourquoi y a-t-il deux définitions Voilà la table des matières de ce que nous allons parcourir. Qui est derrière l'International Holocaust Remembrance Association, qui euh, lance les campagnes sur l'antisémitisme est-ce que cette définition est bonne du point de vue de la défense des juifs contre le racisme Est-ce qu'Emmanuel Macron se prend pour un historien Qu'est-ce que c'est qu'en fait le sionisme Y aurait-il un ancien et un nouvel anti-sionisme et pourquoi deux définitions Est-ce que c'est une loi, les critères de poursuite des soi-disant antisémites, ou est-ce que ça contredit la Déclaration des droits de l'homme et la Convention européenne et la Cour de justice pourquoi le Parlement européen, comme Macron, a capitulé devant le lobby sur cette définition Est-ce que le lobby pro-Israël croit à ce qu'il raconte Et pourquoi sont-ils si agressifs Est-ce qu'il est vrai que de plus en plus de juifs se détournent du sionisme et critiquent Israël Et nous allons analyser ensuite d'où vient cette campagne contre l'antisémitisme qui frappe beaucoup de gens et pas moi seulement. Et donc, c'est très important. Que chacun participe investit, action c'est ça que ça veut dire c'est pas seulement un spectacle c'est pas seulement consommer des infos c'est agir pour que ça change agir pour que les gens soient au courant et euh, moi je suis attaqué diabolisé par le lobby pro israël ils essayent détruire investi action je vous l'ai déjà expliqué mais c'est impossible de s'en sortir tout seul beaucoup de gens comme moi sont attaqués et c'est seulement si euh, tout le monde participe à la riposte et à démasquer qu'est-ce qui se cache derrière cette opération qu'on va pouvoir y arriver. Alors aujourd'hui donc on va parcourir un peu les points clés de l'article pour vous donner envie de le lire parce que j'insiste, c'est vraiment très important de le lire et de se former et je vais aussi prendre le temps de répondre à plus que je le fais d'habitude à la fin mais carrément en cours, je vais aller regarder les questions, les commentaires que vous envoyez et on va réagir. Alors deux mots donc sur cet article. La toute première chose, c'est on voit souvent les initiales IHRA International Holocaust Remembrance Association. On peut croire que c'est une ONG, on peut croire que c'est des historiens qui s'occupent de l'Holocauste. En fait, c'est un organe intergouvernemental qui rassemble le gouvernement d'Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et une vingtaine de gouvernements qui sont alliés à Israël, qui font du business avec Israël. Donc ce n'est pas du tout un organe neutre, ce n'est pas une ONG, c'est un groupe de pression carrément d'Israël. Alors dans l'article, j'analyse la définition qui est donnée par euh, ce lobby. Et ils disent, je cite, l'antisémitisme est une certaine perception des juifs. Qui peut s'exprimer par la haine envers les juifs. Alors là, je lis tout net, s'il s'agit de protéger les juifs, cette définition est très mauvaise, elle ne vaut rien du tout, elle ne tient pas debout. Elle est mauvaise parce que l'antisémitisme est une certaine perception des juifs. Ben non, une perception, c'est un mot vague. Si on veut. Je rappelle que l'antisémitisme, c'est un délit. On peut envoyer quelqu'un en prison s'il pratique, s'il professe l'antisémitisme, et donc on a besoin de définitions précises, rigoureuses, juridiques. Et la perception, ça ne veut rien dire. Et quand on dit l'antisémitisme peut s'exprimer par la haine envers les juifs, faux également. Il y a des racistes qui discriminent sans euh, s'exprimer, sans le dire. Évidemment, je ne pense pas qu'au racisme anti-juif. C'est clair que le racisme, l'islamophobie, le racisme envers les arabes et les musulmans, ça ne se pratique pas seulement en l'exprimant. Refuser de louer un appart. Euh, un juif ou un musulman, ben c'est aussi du racisme mais proprio de l'appartement, on va pas le dire. OK Rediscriminer en matière d'emploi pareil, bien. Alors, la définition donc ne ne vaut rien par quoi d'autre pourrait s'exprimer l'antisémitisme que la haine des juifs là, on sent qu'il y a déjà une petite arnaque qui se prépare et en fait, le problème c'est pas tant la définition. On pourrait dire bon, c'est une définition, elle est un peu floue, elle est pas très sérieuse, mais bon. Ce qui ne va pas, c'est les exemples d'antisémitisme qui sont fournis par ce lobby de gouvernement d'Israël et des autres, où ils donnent des exemples soi-disant pour faire comprendre l'antisémitisme. Mais là, en fait, ils parlent de complètement autre chose. Et je vais montrer. Hein. Ils disent nier le droit à l'autodétermination du peuple juif. En déclarant que l'existence d'Israël est un projet raciste, ça, ça serait être antisémite. Ça veut dire en fait qu'on n'a plus le droit de dire que Israël pratique l'apartheid envers les Palestiniens, a chassé les Palestiniens de leur terre, a pour but de créer un État ethniquement pur, et que ça c'est la définition même du racisme. Non, on ne peut pas. Et là, dans mon texte, j'ai pris soin d'aller euh, chercher. De très nombreux analystes, écrivains, juristes, experts juifs, aux États-Unis, en France, ailleurs, qui disent qu'effectivement, la définition d'Israël sur l'antisémitisme ne tient pas debout. Et par exemple, le mathématicien et philosophe juif Moshe Machover, qui est né en Israël et qui vit à Londres, a expliqué que, oui, Israël est un État raciste. Il le dit lui-même, c'est un fait bien établi il donne des exemples. Il dit qu'en en fait, il y a 65 lois israéliennes qui discriminent officiellement, directement, euh, les non-juifs dans cet État. 65 lois. Et Machover dit, le fait même qu'Israël se définit comme un État juif, et ça c'est une loi toute récente qui vient de le confirmer, c'est du racisme. Parce qu'on ne peut pas être à la fois juif et démocratique envers les non-juifs. Et d'ailleurs, Machover dit... Cet État se définit lui-même comme juif et démocratique, mais les critiques signalent qu'il est démocratique pour les juifs et juif pour les autres. Et donc, oui, c'est un État raciste, et ce n'est pas être raciste de le dire, au contraire, c'est un État antiraciste. Je ne vais pas trop développer, mais il y a un autre exemple de l'Iechira si vous comparez la politique israélienne avec celle des nazis, celle d'Hitler, là aussi vous êtes raciste. Bien, moi, ce n'est pas une définition, une comparaison que j'ai faites dans mes textes ou dans mes vidéos, mais je tiens à signaler qu'il y a des écrivains juifs très connus, euh, je donne plusieurs citations, qui disent eux-mêmes que des déclarations de dirigeants euh, juifs, de dirigeants israéliens, leur font penser à, euh, aux nazis, à Hitler, et ils donnent leurs arguments. Bon, je vous laisse découvrir ça dans le texte parce que je ne veux pas être trop long et je vais prendre vos questions. Euh, Farid, par exemple, indique que euh, les sémites comprennent les peuples qui parlaient ou qui parlent babyloniens, chaldéens, phéniciens, hébreux, samaritains, syriac, arabe et éthiopiens. Euh, il a raison. Il a raison en ce sens que euh, les sémites, on a l'air de dire, c'est les juifs en tant qu'habitants en Israël, mais comme historien Shlomo Sand a montré, que les juifs qui retournent en Israël maintenant ne sont absolument pas les descendants de ceux qui y habitaient il y a 2000 ans. Ça, je l'ai montré dans une autre émission de Michel Midi. Donc, qui est sémite aujourd'hui en Palestine ben, C'est les Palestiniens, en fait. Donc, voilà, moi j'emploie plutôt le terme raciste anti-juif, mais tout le monde parle d'antisémite, donc parlons d'antisémite. Et notre. votre. Puisque, pas français, mais votre cher président Emmanuel Macron s'est un peu mêlé de l'histoire en déclarant que l'antisionisme serait, je cite, la forme réinventée de l'antisémitisme. L'antisionisme serait la forme réinventée de l'antisémitisme. Bon, c'est heureux que les déclarations d'un président de la République n'aient pas une forte loi automatique parce que ça, c'est une stupidité complète, facile à démontrer. En ce sens que L'anti-Sionisme, c'est quoi C'est s'opposer à la colonisation, euh, au vol des terres des Palestiniens par Israël. Donc ça, c'est s'opposer à une idéologie euh, coloniale, raciste, et ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, que j'ai toujours condamné, qui est à condamner, attaquer, semer la haine contre les Juifs sur base de leur religion, de leur provenance. Ça doit être combattu comme tous les autres racismes, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, prétendre que l'antisionisme, ça serait un antisémite, c'est absurde. Parce que le racisme, ça vise un peuple, ça vise une religion. Or, le sionisme, c'est une idéologie, c'est une théorie. Donc, on ne peut pas être raciste envers une théorie. Et euh, voilà, on ne peut en plus pas être raciste envers une idéologie, une théorie qui elle, est les racistes. Ok Bien. Euh, ça nous amène au point suivant c'est quoi le sionisme Et là, bon, si on reprend sur le sur Internet le, le genre de définition, en voici une donnez par les sionistes eux-mêmes le sionisme, je cite, est le mouvement de renaissance nationale des Juifs. Ça signifie que les Juifs sont un peuple et possèdent le droit à l'autodétermination dans leur propre patrie. Ça veut dire qu'il faut soutenir une patrie pour les Juifs dans leur foyer national historique. Bien. Ça n'est historiquement pas vrai, ils ne viennent pas de là, les, les, la majorité des Juifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la communauté juive, dès que les sionistes ont lancé ce genre de théorie, les sionistes, en fait, n'étaient qu'une minorité, une des tendances politiques dans la communauté juive, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, etc. Et il faut remarquer que... Dès que les sionistes ont lancé cette théorie en disant, voilà, tous les juifs devraient retourner en Palestine, c'est là leur patrie, là ils seront protégés, la grande majorité de la communauté juive a critiqué cette théorie, et a dit que c'était très dangereux. Par exemple, Lucien Wolf, qui était un journaliste juif célèbre, membre de la direction du comité des juifs britanniques à l'époque, en 1916, s'est opposé à Chaim Weissmann, s'est opposé à la déclaration Balfour, et il disait, je cite, Prétendre que tous les juifs forment actuellement une nationalité distincte, qui n'a plus de patrie et qu'il faudrait lui trouver un centre politique organique, parce qu'ils ils ils seront toujours des étrangers dans les pays où ils se trouvent actuellement, c'est une illusion absolue. Euh, et j'ai passé la plus grande partie de ma vie, écrit-il, à combattre ces doctrines lorsqu'elles m'étaient présentées sous la forme de l'antisémitisme. Et je ne peux que les considérer comme extrêmement dangereuses lorsqu'elles se présentent maintenant déguisées en sionisme. C'est une capitulation face à nos ennemis et une capitulation effectivement face au racisme qui était très important en Russie, en Pologne, mais aussi en Angleterre et en France. Voilà. Et donc, il y a aussi euh, un homme politique français, Alfred Naquet, qui a polémiqué avec euh, le, Drummond, le fondateur de la digue nationale antisémite. Il y a eu des polémiques en, en Russie où il y avait beaucoup de racisme et même des violences terribles. Le mouvement Bund réclamait pas la séparation et l'indépendance, mais une autonomie culturelle nationale, une meilleure protection. Je signale aussi que dans, bon, dans l'article, il y a des choses très intéressantes sur l'accord entre euh, certaines organisations sionistes et certaines organisations nazies et certains dirigeants nazis. Sur la définition euh, du juif et sur la définition du sionisme. Il y a des choses très surprenantes là-dedans, mais je ne les veux pas aujourd'hui. Parce qu'il euh, y a beaucoup et euh, il faudra le lire. Euh, je regarde les interventions. Une petite seconde, voilà. Ce qui est marrant, c'est comment ils sont passés de la haine du juif à la haine pour les arabes. Absolument. Dans le livre Israël, parlons-en on avait un chapitre sur l'antisémitisme où il était dit très clairement voilà dans le temps le bouc émissaire les responsables de tout ce qui n'allait pas bien sur le plan économique et social c'était les juifs dans les années 30 et maintenant ce sont effectivement les arabes et les musulmans qui ont pris leur position et on doit toujours se poser la question qui est, euh, est la derrière quels sont les, les, les mobiles poursuivis une autre intervention israël a été créé par le nazisme qui est lui-même un produit de wall street et de londres euh, non, ça c'est le genre désolé, ça c'est le genre de thèse complotiste tout et dans tout, où on invente des trucs qui tiennent pas debout, il faut regarder les documents historiques le nazisme était la théorie euh, de Hitler et du grand capital allemand comme je l'ai montré dans un euh, dans une Michel Midi précédent, pour euh, faire la guerre contre euh, l'Union Soviétique en premier, et puis aussi Britannique euh, les Français, les États-Unis, donc c'était une théorie nazie qui n'est absolument pas venue de Wall Street. Il y a eu des grandes complaisances de dirigeants d'entreprises aux États-Unis, comme Ford, on en a parlé, qui collaboraient avec Hitler, mais il ne faut pas tout mélanger. Non, non ça, il faut essayer d'être très factuel, très très précis. Il y a encore d'autres questions intéressantes, mais je vois que leur tourne. J'y répondrai tout à l'heure si possible, et sinon je vous répondrai après l'émission. Le la, la grand argument euh, que les lobby sionistes disent, c'est que, en fait, le peuple juif aurait droit à son autodétermination, et qu'il aurait donc droit à déterminer voilà, nous occupons la terre de la Palestine. L'autodétermination, c'est un concept très valable. C'est quelque chose dans la charte de l'ONU, c'est que les peuples colonisés avaient le droit de dire zut à leurs colonisateurs et de décider cette terre est à nous, ces richesses sont à nous, c'est nous qui décidons ce qu'on en fait et les colonialistes dehors. Donc ça n'a rien à voir avec le colonialisme israélien qui, lui, justement, est allé voler la terre d'un peuple, et c'est le contraire de l'autodétermination, ça. Et dans la logique de ceux qui ont créé Israël, il n'y avait pas du tout le respect de l'autodétermination des peuples. Pardon. Il y avait en fait euh, une très grande violence coloniale. Et à l'époque, elle était assumée. Je vais vous donner deux, trois déclarations de Ben-Gurion, qui était donc le premier Premier ministre d'Israël et qui était le père du mouvement sioniste et de la colonisation euh, juste avant et pendant la guerre. Ben-Gurion disait Nous devons expulser les Arabes et prendre leur place. Et un peu plus tard, en 38, « Politiquement, nous sommes les agresseurs, et ils se défendent, ce pays est le leur parce qu'ils y habitent et que nous venons nous y installer. » Donc là, il assume très clairement, oui, on est des colonialistes, on le fait par la violence, et en 48, donc au moment de la fondation de l'État d'Israël, le même Ben-Gurion dit « Nous devons utiliser la terreur, les assassinats, l'intimidation, la confiscation des terres et l'arrêt de tous les programmes sociaux pour débarrasser la Galilée de sa population arabe. » Donc là, vous voyez on est très clairement dans le refus de l'autodétermination des Palestiniens et dans le colonialisme. Bien. Un euh, autre thème de l'article est que on nous dit, raconte que c'est un nouvel antisémitisme. Il y aurait l'ancien antisémitisme, bien, et un nouveau. Pourquoi et de quoi il s'agit Et là, je cite des études de juristes. Je crois que c'est très important d'avoir bien les pieds sur terre au niveau des définitions juridiques. Par exemple, le professeur François Dubuisson de l'université libre de Bruxelles établit il ne faut pas considérer comme antisémite l'hostilité à l'égard d'Israël comme un pays que l'on critique pour sa politique concrète. Et même si la critique d'Israël peut être voire injuste, équilibrée ou tendancieuse, elle n'est pas pour autant antisémite. <coughs> Excusez-moi. Et donc, pardon, il dénonce une conception dangereuse de l'antisémitisme, attentatoire à la liberté d'expression. Et là, j'en viens au point suivant, c'est que la nouvelle définition de l'antisémitisme n'a aucune valeur légale, elle ne pourrait pas servir de loi dans un pays, elle ne pourrait pas être invoquée. Euh, je consulte un journaliste britannique, Hugh Tomlinson, qui est quelqu'un très très réputé, il a été consulté sur cette définition et il ne vaut rien. Et il disait, si université. Était mise sous pression pour interdire une activité de solidarité avec les Palestiniens comme le mouvement de boycott BDS, elle n'aurait pas le droit d'interdire cette activité sur la base de cette définition. La Cour européenne des droits de l'homme a dit exactement la même chose. La liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou les idées qui sont accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives, mais, je cite, elles sont aussi, la liberté d'expression concerne aussi les idées qui heurtent qui choquent ou qui inquiète. Et donc, voilà, euh, la, la Cour de, européenne a même dit que les autorités politiques ont l'obligation de créer un environnement favorable pour que participent au débat public toutes les personnes concernées, même si leurs opinions et idées sont contraires à celles défendues par ces autorités officielles ou à une majorité de l'opinion publique. Voilà, ça c'est une petite, petite citation que je vais envoyer à nos deux chers ministres belges, De Motte et Gréoli, qui m'ont censuré parce que mes idées ne leur plaisaient pas, euh, mais ça on y reviendra. Et maintenant je pose la question, pourquoi est-ce que le Parlement européen a capitulé Le Parlement européen, il y a deux ans je crois, a euh, adopté la définition, fausse qu'on a vue tout à l'heure, de l'antisémitisme. Et là, c'est étonnant, cette définition ne tient pas debout, les parlementaires en principe doivent faire très attention, Bon, ce pas une loi, c'est une résolution, c'est une prise de position, mais quand même, elle est invoquée par le lobby. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cette, ce Parlement européen a capitulé devant le lobby Et là, je viens de publier un livre récent, de la page de pub, euh, USA, les 100 pires citations, où je donne la parole à des présidents, des ministres, des généraux et des stratèges importants des États-Unis, où ils disent des choses abominables. Et une des citations... C'est Thomas Friedman ici, qui est un chroniqueur ultra-influent euh, des États-Unis. C'est quelqu'un qui est favorable à Israël, qui est favorable aux différentes guerres et aux agressions des États-Unis. Et il a déclaré en 2011, je vais vous lire, j'espère que le premier ministre israélien Netanyahou comprend que s'il a été gratifié de l'ovation, applaudissement debout reçu au Congrès cette année, ce n'était pas pour sa politique. Son ovation a été achetée est payé par le lobby israélien. Donc Friedman lui-même, pro-Israël à fond, dit, voilà, le lobby israélien achète les votes du Congrès, et je donne euh, toute une petite explication sur tout ça, et sur effectivement la manière dont euh, ce lobby tient en main euh, clairement les congressistes et les oblige à voter euh, des choses. Euh, ça, c'est important. Euh, D'autant plus que on dit ça depuis un certain temps. Et en fait, il y a tout récemment un film qui est sorti, enfin il n'est pas sorti, il a été produit par Al Jazeera, qui sur pression d'Israël l'a censuré. Ce film s'appelle The Lobby. Il parle du lobby pro-Israël et euh, c'est un chouette film parce que un jeune s'est en fait infiltré, s'est présenté comme stagiaire dans le lobby, s'est infiltré avec une caméra cachée, et il a enregistré des déclarations absolument hallucinantes des dirigeants et des responsables du lobby. Et il y a un directeur qui lui explique, je cite, Les membres du Congrès aux États-Unis ne font rien si on ne fait pas pression sur eux, et la seule manière, c'est l'argent. Bien. Alors on doit réfléchir aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec notre Parlement européen J'analyse dans le texte. Il faut être nuancé, il faut être prudent. J'analyse les différentes options, les différentes explications possibles pour lesquelles ils peuvent avoir fait, avoir fait ça. Mais il faut vraiment réfléchir aux énormes moyens. J'analyse aussi dans le texte la campagne contre Jeremy Corbyn euh, et elle est analysée par l'auteur euh, juif des États-Unis, Norman Finkelstein, qui a fait une brillante analyse, mais je passe parce qu'il y a trop à... Il y a trop à expliquer aujourd'hui. Je regarde un peu euh, euh, s'il y a encore d'autres questions, etc. Oui, ce sont les Palestiniens qui ont droit à l'autodétermination, bien sûr. Euh, voilà, voilà. Oui, euh, c'est un petit peu les mêmes euh, interventions pour l'instant. Je continue. En fait... Ce qui est important, c'est de contrer cette idée que Israël et son lobby représenteraient tous les Juifs, qu'il exprimerait la volonté de tous les Juifs. Ça, c'est complètement faux. En réalité, dans la communauté juive, dans les différents pays occidentaux, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs euh, idées de pensée. Et le sionisme en est une seule, c'est celle qui fait le plus de bruit, mais en est une seule. Mais on voit, on voit les critiques. On a vu. Euh, par exemple, Kenneth Stern, c'est un professeur aux États-Unis. Il donne des cours sur l'antisémitisme. Il dirige une fondation Justus Karin Rosenberg qui travaille à améliorer la compréhension de la haine et de l'antisémitisme. Et il explique que tout effort pour combattre l'antisémitisme sur dans les universités doit rester cohérent, ne pas être contradictoire avec les valeurs de la liberté académique, c'est-à-dire les valeurs de la liberté de recherche, d'expression, de débat. Et ce qui est important, c'est qu'aux États-Unis, de plus en plus de Juifs et surtout la jeune génération se détournent du sionisme, se détournent d'Israël. En 2013, déjà, un sondage montrait que trois quarts des jeunes Juifs ne croyaient plus, je cite, que le gouvernement Netanyahou fait un effort sincère pour obtenir un accord de paix avec les Palestiniens. Et un sondage plus récent, j'en analyse plusieurs, et une évolution vraiment très très instructive. Un sondage plus récent indique que 79% des électeurs républicains sympathisent avec Israël, mais seulement 27% des électeurs démocrates. 27% seulement. Et on a vu d'ailleurs Bernie Sanders dans sa campagne électorale, bien qu'il était quand même un peu favorable à Israël, il a refusé d'aller parler au banquet du lobby AIPAC parce qu'il est bien conscient que les gens se détournent de ça. Une. Représentante du lobby aux États-Unis, Vital Leibovitch, directrice de l'American Jewish Committee, déclare en commentant ses euh, sondages, Une part croissante de la jeune génération juive aux USA ressent que l'État d'Israël ne représente plus les valeurs auxquelles il croit. Et ça met, dit-elle, en danger le soutien des juifs américains à Israël. J'analyse ce phénomène, j'analyse les conséquences euh, économiques, politiques de la désaffection de la communauté juive là-bas. Et j'ai parlé du film de Lobby. Alors, il faudrait que je montre un peu euh, ici. Vous avez une image du jeune gars qui s'est infiltré très courageusement et qui nous a rapporté ses enregistrements excellents. Ici, vous avez une, un extrait de l'image. Euh, apparemment, c'est dans un bar, une conversation là. Et euh, quelqu'un euh, lui dit, est-ce que je peux vous indiquer quelques MPs, donc quelques euh, parlementaires que je suggère d'abattre et de descendre Donc vous voyez tout le travail qu'ils qu font pour euh, casser les gens qui critiquent Israël. Et on va venir là-dessus parce que c'est très très important. Euh, le public peut avoir l'impression... Que quand une personne, je ne parle pas seulement de moi, je parle de toutes les personnes qui critiquent Israël, qu'on se fait insulter sur Internet, qu'on se fait traiter de raciste, de complotiste, d'ami des dictateurs, etc., on peut, si on est un peu pas averti, encore un peu naïf, on peut croire que ce sont des convictions sincères de telle personne ou de tel groupe et que ça tombe du ciel. En fait, ça ne tombe pas du ciel, ça tombe de Tel Aviv où est installé un ministère des Affaires stratégiques qui est très discret qui dépend directement du Premier ministre Netanyahou. Et ça, j'en avais déjà un peu parlé, mais j'y reviens, c'est ultra important. Les calomnies ne tombent pas du ciel. C'est la seule arme qu'Israël trouve pour... Euh, je vais vous expliquer. Dans euh, des choses qui ont fuité, il y a des euh, déclarations très intéressantes, très instructives, des dirigeants eux-mêmes de l'appareil de désinformation. Euh, je cite un de ces experts-là, les responsables de la délégitimation, donc ceux qui critiquent Israël, doivent être combattus comme dans une guerre, ils doivent être ciblés et combattus, et non pas affrontés sur le plan intellectuel, et il faut recourir à tous les moyens encore jamais utilisés auparavant. Donc la leçon à en tirer, c'est ne discutez pas, calomniez. C'est vraiment ça, la tactique, la stratégie de ce lobby et de cet appareil de propagande. Euh, il y a depuis quelques années déjà des groupes qui ont été formés, ici j'en ai une image, des groupes qui sont formés, euh, là c'est des militaires, des jeunes militaires, qui sont formés pour aller sur Internet, pour euh, trafiquer Wikipédia, pour trafiquer, euh, pour attaquer les gens, pour signaler tous ceux qui critiquent Israël. Et donc, ces euh, gens-là ont été organisés dans différents groupes. Et en 2008, un des responsables qui s'appelait Gillette Iny, Recommandé à son équipe de manipulateurs, je cite, évitez de choisir un nom qui vous marque comme pro-Israël, évitez que les gens connaissent votre véritable nom. Donc ça, c'est aussi une leçon de leur stratégie, le secret, la, di la dissimulation, parce qu'ils savent que s'ils débattent ouvertement, et ils n'ont pas d'argument, ils vont le perdre. Alors la question est, comment on fait pour, pour discréditer les gens qui critiquent israël eh bien dans le même film que j'ai cité m noah Pollack explique la méthode à employer il dit à ce jeune stagiaire là pour le former pour discréditer le message il faut discréditer le messager quand vous évoquez bds le mouvement de boycott de la palestine d'israël quand vous évoquez bds vous devez dire que c'est un groupe qui prône la haine la violence contre les civils, c'est-à-dire qu'il soutient le terrorisme. Vous voyez comment ils travaillent Donc, tout le monde sait que ça n'est pas vrai. On, on évidemment, que quand on appelle à la solidarité avec les Palestiniens, ça n'a rien à voir. On est contre le terrorisme. Mais eux, ils pratiquent un amalgame basé sur des mensonges. Et voilà, mentir sans scrupule, c'est leur méthode pour, comme ils le disent eux-mêmes, discréditer le messager. Il y a un réseau d'espionnage. Alain Grèche en a parlé, le film en parle. En fait, ils espionnent et un certain responsable qui s'appelle Beim explique « Nous avons maintenant un budget de 1,5 voire 2 millions, 2 millions de dollars pour espionner les gens qui euh, critiquent Israël et euh, essayer de sortir des choses sur leur vie privée s'il y en a, ou des choses qui permettent de les attaquer. Donc ils ont des budgets énormes et ça c'est un problème parce que quand un individu ou un petit groupe est attaqué attaque euh, euh, ce lobby euh, ils n'ont pas les moyens de se défendre face à l'énorme budget, les énormes moyens humains financiers que cet appareil a. Je prends une question là. Euh, euh, L'alignement des Occidentaux sur le sionisme n'est-il pas dû à cette dette morale qui est la Shoah, donc le génocide contre les Juifs par Hitler en 40-45 Non, pas du tout. Ce n'est pas ça, je l'ai abordé dans d'autres émissions, euh, Sionisme et Antisémitisme. Je l'ai abordé. Le projet de coloniser la Palestine a été conçu et mis sur papier en 1895 dans un congrès à Bâle, donc euh, 50 ans avant Hitler. La colonisation de la Palestine avec une banque, avec un institut pour euh, récupérer des terres, avec un syndicat pour ne donner que du travail aux juifs et pas aux arabes. Tout ça a commencé dans les années 10 et 20. Euh, donc, non, Hitler est un argument. Ce qu'il a fait et qui était abominable est un argument utilisé pour justifier un projet colonial qui existait avant. Je continue. Euh, un des responsables de l'appareil de propagande dans le film de Lobby dit, avec les anti-israéliens, le plus efficace est de faire des recherches sur eux que vous mettez en ligne sur un site web anonyme et que vous diffusez par des annonces ciblées sur Facebook. Voilà, oh là, il y a des méthodes intéressantes qu'on va devoir creuser ensemble si vous pouvez donner un coup de main, dont ils créent des sites web anonymes, ils se cachent et ils font des annonces ciblées sur Facebook pour aller influencer les gens et manipuler. Et il y a toute une stratégie, il faut absolument pas les sous-estimer, c'est une stratégie bien pensée, qui a de l'efficacité et que nous devons étudier si nous voulons, si nous voulons la contrer. Euh, voilà, j'analyse encore beaucoup de ces de méthodes et de ces déclarations. Quelqu'un dit J'aimerais beaucoup voir ce film. Il est visible. Euh, Alain Grèche sur son site Orient 21 et d'autres sites le diffusent en français, en anglais. On peut voir les différents épisodes qu'il a foutus. Euh, voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir et de le faire circuler autour de vous quelqu'un indique que rothschild avait acheté des terres dès 1883 tout à fait, c'est un, un vieux projet, effectivement. Euh... maintenant, je vais en venir à mon dernier, mon dernier point dans, dans cet article, il est très important parce que tout ce que je dis là, vous allez trouver bon, c'est un peu désespérant. il raconte de nouveau tous les moyens dégoûtants qu'ils emploient, et, et nous voilà. on ne doit pas être défaitiste et fataliste. je pense que le rapport de force il est vraiment en train de changer. et je vais vous dire, non seulement aux États-Unis, mais en France, en Europe aussi, il y a des sondages qui inquiètent très fort le lobby sioniste. En mai 2018, l'Union des étudiants juifs de France a commandé un sondage à l'IFOP et voici les résultats. 57% des sondés ont une mauvaise image d'Israël. 57%. 69% une mauvaise image du sionisme. 71% pensent qu'Israël porte une lourde responsabilité dans l'absence de négociations avec les Palestiniens, et 50% considèrent le sionisme comme une idéologie raciste. C'est pas mal, avec tout ce que les médias nous racontent en sens contraire, c'est déjà la preuve que les gens résistent, ne se laissent pas faire, qu'ils cherchent à comprendre par eux-mêmes. Et donc ce sondage, je crois qu'il faut le prendre comme un encouragement. Ça veut dire que Israël a cassé sa belle image qu'il avait avant de petit État agressé par les grands méchants autour. Israël, avec tout ce qu'il a fait contre Gaza, contre les Palestiniens, les images qui circulent, etc., s'est démasqué. Et donc, euh, qu'est-ce qui leur reste comme arme C'est la seule arme qui leur reste, c'est ce chantage à l'antisémitisme. C'est pour ça que c'est tellement important de le combattre et de le démasquer. Ils n'ont plus d'autres arguments. Quand on parle sur les faits, ils perdent. C'est d'ailleurs pour ça que les dirigeants du lobby disent « Ne discutez pas sur les faits, vous allez perdre. » Bien. Je crois que pour Répondre à tout ça, il est très important de faire savoir que la communauté juive a plusieurs courants. De plus en plus de juifs s'opposent au sionisme et il faut leur donner la parole. Il faut briser ce monopole que euh, Israël prétend avoir dans la défense des juifs. Je le redis Israël fait du tort aux juifs. En disant nous massacrons les Palestiniens, nous attaquons Gaza, nous attaquons nos voisins au nom des juifs, c'est ça qui fait du tort aux juifs et qui les met en danger. Et donc, il faut absolument montrer cette contradiction. Et donc, on va continuer à travailler là-dessus. On va euh, publier d'autres livres sur ces questions, notamment notre prochain livre, c'est Comment le terrorisme a créé Israël, qui sera publié en février, je pense. Euh, c'est une analyse comment les attentats en Palestine, menée par les dirigeants, les groupes sionistes israéliens, y compris des gens qui allaient devenir premiers ministres plus tard, donc pas des petits excités isolés, comment ils ont créé la terreur et comment ils ont contribué à chasser les Palestiniens bien avant la Nakba qui s'est passée en 1948 et les violences directement contre, contre les Palestiniens. Voilà, euh, j'ai lancé sur Internet une campagne. Contre la censure, aider Investigation à résister, parce que j'ai bien expliqué que nous sommes euh, en fait attaqués par le lobby qui veut nous détruire. Et moi, avec les livres d'Investigation, je pense que nous avons un rôle à jouer. Nous ne sommes pas très nombreux à dire la vérité et à résister contre ce lobby israélien. Je crois que c'est une bataille fondamentale pour la liberté d'expression. Et donc, dans cette vidéo, Contre la censure, soutenez Investigation j'appelais à engager. David, euh, mon jeune collaborateur bénévole que je veux absolument engager pour qu'on puisse continuer à produire plus de livres que, que nous ne l'avons fait jusqu'à maintenant. Nous avons vraiment plusieurs projets très très intéressants euh, pour nous aider financièrement. Il faut aller ici sur la page Investi Action. vous avez en haut à droite « Faites un don ». Et là, vous arrivez sur notre page où vous pouvez choisir de faire euh, un chèque pour les Français, un virement directement, euh, un virement CEPA, une domiciliation mensuelle. Il y a même Western Union maintenant. Là, il faut euh, nous écrire et on vous expliquera l'adresse, comment vous pouvez envoyer un don pour les pays qui n'ont pas. Il y a PayPal, bien entendu. Et voilà, vous avez l'adresse donatinviciactions.net. C'est vraiment très, très important de pouvoir... Euh, compter sur votre soutien mais je voudrais dire il n'y a pas seulement le soutien financier bon c'est le nerf de la guerre on en a absolument besoin pour survivre mais il y a d'autres choses que peuvent faire tout que tout le monde peut faire et investir action ben, qu'est-ce que ça veut dire action ça veut dire c'est vous c'est votre participation c'est votre travail votre combat avec l'information moi ce que je suggère c'est Lisez l'article antisémitisme de définition qui est sur le site. Euh, il est ici. Voilà. Antisémitisme, pourquoi y a-t-il de définition euh, Discutez cet article autour de vous. Passez-le, imprimez-le, discutez autour de vous. Ça, c'est très très important de discuter avec patience avec les gens qui sont désinformés, qui sont influencés par d'autres choses. Un deuxième type d'action, c'est que vous pouvez organiser une discussion ou même un débat public et inviter moi ou un autre auteur d'investigation sur ces questions. Je crois que le débat est très très important. Des débats contradictoires me semblent très importants. Je répète que malheureusement, le lobby sioniste refuse de débattre, il calomnie, mais il refuse de débattre. Il faut vraiment euh, essayer de provoquer un véritable débat poliment, respectueusement où euh, les gens pourront comparer les deux versions et faire leur, leur choix. On a aussi besoin de gens pour nous aider pour des recherches dans les prochains livres qu'on veut, qu veut rédiger. Euh, ça, vous pouvez écrire à euh, Michel Midi euh, à cette adresse-ci, Michel Midi pour nous proposer euh, des coups de main. C'est très, euh, très, très nécessaire. Et voilà. Euh, je regarde si vous avez eu beaucoup de questions. Oui, il y en a énormément, mais euh, j'ai déjà tout à fait euh, débordé le temps et vous devez pouvoir aller manger ou retourner au boulot. Il y a plein de questions intéressantes. Je vais répondre là euh, tout de suite, mais euh, je vais prendre congé de vous. Euh, la prochaine émission, on va faire une petite euh, pause pour. Il y a beaucoup de projets, il y a besoin de repos un petit peu aussi. Il y a eu des voyages et beaucoup de fatigue, donc on va faire une pause et on va reprendre début janvier. Euh, bon, je me demande quel, euh, ce sera le premier mardi euh, de janvier, euh, euh, on va le mettre sur Internet, on va le mettre ici tout à l'heure. Euh, je vais, pour la rentrée, prendre comme thème euh, pas vu à la télé. C'est-à-dire qu'on va passer en revue des infos importantes qui n'ont pas été ni à la télé ni, les grands, ni dans les grands médias je veux dire des infos factuelles, hein, pas des thèmes ou des opinions, mais vraiment des faits très importants qui se sont passés dans le monde et qui ne sont absolument pas euh, passés, alors que ça changerait beaucoup la perception des gens sur ce qui se passe dans, dans ces pays-là. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année en famille. C'est évidemment euh, une manière de parler. Les fins d'année ne sont pas drôles pour euh, beaucoup de gens qui sont euh, attaqués par les politiques antisociales. antisociales. Sont pas drôles pour les gens qui sont attaqués par des agressions extrêmement violentes un peu partout dans le monde. Mais voilà, j'espère que vous pourrez avoir quelques bons moments, recharger vos batteries, reprendre des forces pour les combats que nous allons continuer ensemble. Et à bientôt, début janvier. Merci à vous.